Ce matin, une opération exceptionnelle se prépare à la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Une équipe commence l'ascension de la flèche. Ils vont grimper au sommet pour une mission à haut risque. Ses trois compagnons entretiennent le monument toute l'année. Parmi eux, Frédéric de Genève est tailleur de pierre ici depuis 17 ans. Là, au niveau du petit étage, on peut observer cette magnifique voûte festonnée. On l'appelle la voûte étoilée. On a une dentelle de pierre qui ne s'aperçoit pas du bas. Il y a des détails aussi architecturaux assez intéressants. Par exemple, les fleurs de lys symbolisent la constellation. C'est pour ça qu'on a l'ourson, le taureau. On va dire symboliquement, les bâtisseurs touchent le ciel. On ressent vraiment le sens du détail. En tant qu'homme de métier, en définitive, on sent presque qu'il y a un petit clin d'œil des anciens qui dit « Alors, t'as vu la capacité, la compétence qu'on avait pour arriver à ces sommets. » L'ascension continue. Voilà. Là, j'ai un détail intéressant à vous montrer. C'est la présence de ces barres métalliques au niveau de la structure. Une cathédrale ne tient pas sans métal, en définitive. Là, autour, elle est armée, si on peut dire. Il y a un système de chaînage, c'est-à-dire comme un tonneau, en définitive. On a des cerclages métalliques qui reprennent les poussées et qui vont renforcer la structure et qui vont rigidifier l'ensemble. La construction de cette cathédrale a commencé au XIe siècle. Des générations de bâtisseurs se sont succédées pendant plus de 400 ans pour achever ce chef-d'œuvre. À l'intérieur de la tour, les trois hommes poursuivent leur montée. Ils atteignent maintenant la terrasse de la flèche. Là, on est à 100 mètres, on est dans la flèche. Donc là, c'est le Saint Graal, c'est le Saint des Saints. C'est exceptionnel. Donc là, vous avez une vue fantastique sur les toits de Strasbourg. Là, on a une vision sur la vieille ville qui est fabuleuse. Donc là, imaginez une ambiance, marché de Noël, l'été, avec la ville qui se réveille, voilà. Il y a des ambiances changeantes. C'est un monde agité en bas et en haut, vous pouvez vous ressourcer. Vous avez une part d'intimité avec la cathédrale. D'ici, apparaît la particularité des toits de Strasbourg avec leur rangée de lucarnes. La flèche est ajourée. Alors pourquoi elle est ajourée? Parce qu'il faut que le vent circule. Il ne faut pas qu'il y ait de prise au vent. Puisque là, on est entre 100 et 142 mètres. Donc il faut que la flèche laisse passer les vents forts. Fabrice et Mathieu s'équipent pour la partie la plus périlleuse de l'opération, la dépose de la balise aérienne située sur la pointe de la flèche. Pour la rejoindre, ils empruntent un escalier très raide. La flèche, c'est une pyramide, si on peut dire. Il y a 8 arêtes et sur ces arêtiers, il y a 8 escaliers extérieurs pour atteindre le sommet de la flèche. Pour leur sécurité, Frédéric s'installe sur un des piliers de la tour, d'où il peut surveiller leur intervention. On est dans des situations, je dirais, extrêmes quand même. Voilà. Donc là, en plus, aujourd'hui, il pleut, donc les marches sont glissantes. Il peut y avoir des lichens, des mousses, donc il faut être vigilant. C'est pour ça qu'ils montent à deux. Ils sont toujours en binôme. Question sécurité, il faut que l'un assure l'autre. C'est la 60e fois que Mathieu et Frédéric escaladent la flèche. Les contraintes, ça va être notre corps, hein, avec le temps plutôt frais, les membres engourdis. Il faut faire d'autant plus attention en fait, à l'architecture, à tous les éléments très finement taillés ou sculptés, de ne pas faire des dégâts en passant par les escaliers pour arriver au sommet. Escalier numéro 2. Première étape. Quand vous êtes dessus, vous montez, on va aller sentir ces 40 mètres d'ascension sur des marches et des emmarchements de plus en plus réduits où vous avez la pointe des pieds en fait juste qui repose sur les marches en vrai.
Sensation assurée, avec beaucoup d'ouverture et d'éléments ajourés autour de vous. Donc une vue imprenable et une sensation d'être dans un autre monde. Imaginez 1439, fin de l'édification de la Flèche. À l'époque, c'est un ovni, ils atteignent 142 mètres de hauteur, c'est une des plus hautes d'Europe. Il a fallu hisser tous les matériaux, c'est un travail colossal, ça a été un but ultime. Voilà, là on est dedans. On approche la corbeille. Ça se fait de plus en plus étroit. Au bout de 20 minutes, les deux hommes atteignent la corbeille, cette minuscule plateforme avant l'ultime effort. En sécurité sur la ligne de vie. Mathieu, est-ce que tout se passe bien ? Oui, nous sommes prêts. Il y a le vent là-haut, comme d'habitude, le vent est bien présent. Ok, alors prudence et bon courage. Merci. C'est parti. Commence maintenant la partie la plus délicate de la mission. Il sort, là, ça y est, sur l'échelle. Donc là, c'est le moment le plus difficile. Voilà, donc là, il est sorti de la corbeille. Là, ben, il va se hisser doucement. C'est une échelle qui fait 30 cm de large environ. Il est sécurisé par la ligne de vie, mais il se tient à ses mains, quoi. C'est-à-dire, s'il lâche, façon de dire, il redégringole, il est tenu, mais voilà, il tient par la force de ses mains. On est engourdi, en fait, hein, le froid. Ça, c'est le pire, en fait. Hein. L'échelle métallique, bon, c'est pas évident. Là, il a 140 mètres, Fabrice, à peu près, en sachant qu'après, il y a environ 2,50 mètres de paratonnerre. C'est le mât métallique qui vient coiffer la croix, puisqu'il y a une croix sommitale. Donc la balise aérienne est logée sur le bouton en grès. Tout se passe bien ? Ouais, bah, je commence à démonter. OK. Là, il a du petit outillage, et donc c'est la crainte que du matériel tombe. Puis après, c'est le fait de lâcher les mains. Enfin, voilà, il est maintenu à l'échelle avec ses deux mains. Donc là, pour démonter la balise, il a besoin de se dégager de ses mains, quoi. Voilà. C'est quand même une première, hein. La balise, on ne fait vraiment pas tous les ans. C'est rare. C'est volumineux, quand même. T'as réussi à tout mettre dans le sac ? Tout est dans le sac. Top. Opération terminée. OK, merci. Dans quelques jours, quand la balise sera réparée, Mathieu et Fabrice remonteront au sommet pour la réinstaller.